jamais trop longue, t'es serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Et toi alors, Natacha, qu'est-ce que t'as apporté? Ton spray désinfectant et ton paquet de lingettes? Tu sais, Natacha, il paraît qu'il y a plein de trucs crado dans les égouts. Il y a des vieux déchets qui débordent des poubelles et des tas d'asticots qui grouillent de tous les côtés. C'est bon, Lucien, je m'en fiche! C'est pas tout. Le pire, c'est quand t'as les pieds qui s'enfoncent dans la moisissure de toutes les grosses saletés qui traînent partout. Bah. Oh, pardon. Hé, hey, si tu veux plus de tes frites, je peux me dévouer. Ben quoi? J'y peux rien, moi, si la visite des égouts, ça lui coupe l'appétit. J'en peux plus, j'en ai marre d'être comme ça. Regardez Natacha, elle se prend pour Madame Super Ménage. Ouais, elle va récurer les égouts à fond. Bien, suivez-moi et restez groupés. Je peux pas y aller. Oh là 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 là. C'est donc ici qu'arrivent les eaux usées. Qui peut nous dire d'où elles proviennent? Des toilettes? Ouais, quand Natacha va faire caca par exemple. Elles proviennent des maisons et des immeubles. Des toilettes bien sûr, mais aussi des eaux de vaisselle, des douches, des bains, etc. Fais gaffe, Natacha, t'as une toile d'araignée sur l'épaule. Ah ouais, attention, t'as aussi un truc super gluant sur l'oreille. Ah, un rat. Tiens. Oh, au secours. Quelle horreur. C'est un méga passage secret. On y va. Arrête, c'est interdit. Lulu, t'es vraiment qu'un trouillard. Ils ont mis ce panneau-là exprès pour pas qu'on découvre le passage secret. Ils nous prennent trop pour des nuls. Il y a un monstre là, dans l'égout. Non, regarde, c'est un rat qui a été transmuté par les déchets radioactifs. Oh. Natacha, toi aussi t'es devenue une mutante. Non, je suis super propre. Regardez ça. Paco, c'est toi qui as fait ce truc. Mais maîtresse, si tout le monde va aux toilettes en même temps, prendre son bain en même temps, ils vont déborder les égouts.
Bien sûr que non. Il y a de grands bassins qui retiennent l'eau qui est en trop. Ce sont des bassins de rétention. De plus, il y a vraiment très très peu de chance que tout le monde... qu'est-ce que c'est que ça? Courez! Attention! Je veux pas vous contredire, maîtresse, mais là, je vous dis que tout le monde y est allé en même temps! Restez bien, l'enfant, nous allons prendre la première sortie! Coupeur de nettoyage total! Natacha, aide-moi, s'il te plaît! Et alors, elles étaient bonnes, les frites à la cantine? S'il te plaît, Natacha! C'est vrai ce que tu disais, Lucien. Dans les égouts, il y a plein de trucs dégoûtants, gluants, écœurants. Tu trouves pas? D'accord, je suis désolée, Natacha. S'il te plaît, aide-moi! Allez, s'il te plaît! Génial, on s'éclate là-dedans. Trop délire. Là-bas, la sortie. Natacha, t'as carrément assuré. Ouais, heureusement que t'étais là. T'es super cool, tu sais. Oh non, je viens de perdre mon super pouvoir. Mais bon, avec ce que je viens de vivre dans les égouts, je crois que je suis vaccinée maintenant. Oh. Comment tu vas faire maintenant sans ton super pouvoir pour arriver à supporter tout ça? Hein? Voilà. Sacré Lucien, tout ce cinéma pour une malheureuse petite crotte de nez de rien du tout. On fait tous des proutes, on fait tous des rots et on a tous des crottes de nez. Vous trouvez pas que la vie est chouette? Wow! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. La prochaine fois, approche-toi moins de la vitrine. Grand concours de musique, le gagnant participera à une émission de télé. Ah ah, tu peux pas faire gaffe en ouvrant la porte, Géraldine. Désolée. Vous allez faire le concours de musique, vous aussi? On va surtout le gagner, ce concours, dents de lapin. Dents de lapin, je raye le parquet. Yeah, j'ai des dents de lapin. Mais vous savez ce qu'elles vous disent, mes dents de lapin? Que vous êtes tous les deux des gros nuls en musique et que mon groupe et moi, on va vous battre. Oh non, ma glace. Alors, t'es sûr, tu veux qu'on fasse le concours? Mm-hmm. Mais j'y pense, toi et moi, on sait pas jouer d'un instrument. Ça, mon gars, c'est pas un problème. Surtout si on est les seuls à participer au concours. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai juré à Gros Loup qu'on le battrait, alors je compte sur vous tous. T'inquiète, on va gagner. Tu vas voir comment on va assurer. Alors... Ah 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 ah
Géraldine. Arrête! Hein? Peut-être que je peux essayer la guitare. Non! Écoute, Géraldine, je crois que la musique, c'est vraiment pas un truc pour toi. Si tu veux qu'on gagne le concours, faut surtout pas que tu joues avec nous. Faire comme les autres à cause de mes grosses dents. Je peux même pas jouer d'un instrument sans provoquer une catastrophe. J'en ai marre de ces dents. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce costume? Oh là là, trop fort! La classe! Et hop, papa! Un autre! Je peux sculpter tout ce que je veux! Je suis devenue... Ouais. Désolée de vous décevoir les virtuoses, mais je crois que... Vous n'allez rien assurer du tout. Allez hop dans la cabane. Gros loup, laissez-nous sortir. Vous laissez C'est trop beau! Comment t'arrives à faire ça? Grâce à mes dents, tiens! Je peux sculpter tout ce que je veux avec! Regarde ça! Wow. D'ailleurs, on peut savoir ce qui vous est arrivé? C'est Gros Loup et sa bande! Ils nous ont enfermés! Ils nous ont piqué nos instruments! C'est fichu pour le concours maintenant! Pas si sûr! Je crois bien que j'ai une idée! Et voilà! Wow. Génial! Mais tu crois que tu peux fabriquer n'importe quel instrument? C'est trop cool! Bravo! Merci Géraldine! On va pouvoir faire le concours tous ensemble grâce à toi! Non, vous m'avez rejeté du groupe! J'ai une grosse dent contre vous! Écoute, c'est vrai qu'on a été un peu dur avec toi, mais si tu veux, tu peux revenir jouer avec nous! Allez, viens! Tu seras le chef d'orchestre si tu veux! Bon bah alors, c'est d'accord. Super. Allons-y. Et alors, qu'est-ce que tu penses? Alors, vous êtes les seuls concurrents? Eh oui, monsieur, il faut croire que les autres ont eu peur de ne pas être à la hauteur face à notre groupe. Attention, on est les meilleurs, on va gagner, yeah, yeah, yeah. Arrêtez! On va même passer à la télé, yeah, yeah, yeah. Arrêtez! Je vous en supplie, arrêtez de jouer! Salut les croque-carottes, je crois que vous arrivez un tout petit peu tard. Ça, c'est toi qui le dis. Quoi? C'est super, Géraldine! T'as vraiment le sens du rythme! Ça, c'est de la musique! Ça, c'est du groove! Bah. Ma flûte! Ma guitare! Oh. Oh. Je suis vraiment désolée! Je viens de perdre mon super pouvoir! Et les gagnants du concours sont Géraldine et son groupe! Ouais! On a gagné! On a gagné! Oh non, quelle horreur! Dédé, zappe-moi ça, s'il te plaît! Change vite de chaîne! Si
tu croises des petits malins qui se moquent un peu trop souvent de tes dents de lapin, fais-leur savoir que des crocs, ça sert, et plante-les dans leur derrière. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. On fait un concert ce soir. Ça va être trop méga génial. On joue ce soir, ça va déménager, je suis à la batterie. Super concert en live ce soir, ça va être géantissime. T'entends ça? Speedy Stéphane nous fait un concert ce soir. Faut pas qu'on rate ça. Bravo Marc. Prêt? Stéphane, c'est ton troisième faux départ. Tu es éliminé de l'épreuve maintenant. Tu voudrais pas arrêter de t'agiter un petit peu? Tu fais peur aux poissons, là. Désolée, t'as raison, la pêche, c'est pas un truc pour moi. Tranquille. Respire un bon coup. Il faut pas que tu joues trop vite. Pas de problème. Allez, c'est parti. Et un, et deux, et trois. Stop. Stéphane, arrête. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Allez, on reprend. Et un, et deux, et trois, et quatre. Excité, calme-toi un peu, t'as un train à prendre. Pousse-toi de là et laisse faire le pro. Bon, ça y est, maintenant qu'il y a un vrai batteur, on va enfin pouvoir reprendre la répète. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème, les morveux ou quoi? Non, c'est bon. Dites-le qu'il y a un problème, les gars. Bertrand! Je suis désolée, Stéphane. De toute façon, tu pouvais plus jouer avec nous, tu fonces trop. Ok, puisque c'est comme ça, je m'en vais. C'est pas juste, c'est vraiment pas juste. Peut-être que je joue vite, d'accord, mais moi au moins j'ai le rythme. T'inquiète pas, faut pas trop t'en faire. Je suis certain qu'avec un peu d'entraînement, t'arriveras à jouer moins vite. Et je vais te mettre la tête au carré. T'inquiète Yvon, avec mon pouvoir je vais lui balancer mon méga rayon ralentisseur. Yo. Comment t'as fait? C'est carrément génial ton truc Stéphane. T'as vu ça, c'est trop cool. Je peux ralentir tout ce que je veux, comme je veux. Je suis devenu super trop vite. Eh bien mon Dédé, ça m'impressionne comme tu vas vite.
Et un, j'avance un pied. Et deux, un autre pied. C'est ça. T'as de la chance. Ton pouvoir, il est trop marrant. Police, on ne bouge plus. Attends-moi, où tu vas comme ça? Reprendre ma place à la batterie. Je vais bouger les pieds sur nos zik avec toi. À nous maintenant. Qu'est-ce qui lui prend un gros loup? Il joue comme un escargot. Franchement, avec lui, vous êtes mort pour le concert. Alors je crois qu'il vaut mieux que je reprenne ma place. Allez, 1, 2 et 3. Désolée, attendez une seconde. 1, 2 et 3, 4. Youhou! Je voudrais bouger mes pieds sur notre zik avec toi. Viens bouger tes fesses sur notre zik avec moi. Tu m'étonnes, et désolé pour tout à l'heure quand on t'a lâché pour gros loup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais t'es devenu le meilleur des batteurs. Oh non, j'ai perdu mon super pouvoir, je vais encore aller trop vite, ça va tout gâcher. Attends un peu que le concert soit terminé, toi, et tu vas voir, on va s'expliquer tous les deux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Je voudrais bouger les pieds sur notre zik avec toi. Viens bouger tes fesses sur notre zik avec moi. Bouger les pieds sur notre zik avec toi. Viens bouger tes fesses sur notre zik avec moi. Trop fort comme on a joué. Ouais, on a vraiment été géniaux. Et c'était une super idée de ralentir le rythme sur la fin. Merci, c'est sympa, mais là, je crois qu'il faut plutôt que... Je mette le turbo. Si tu confonds vitesse et précipitation, t'arriveras peut-être à passer le mur du son, mais tu risques surtout de te prendre le mur. Et ça ne t'avancera rien, c'est sûr. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Qu'il sache bien chanter. Moi, je veux, s'il vous plaît, moi! Et qu'il ait des qualités de danseur. Moi, moi, je veux... Moi, s'il vous plaît, maîtresse! Je veux le premier rôle, donnez-moi, je serai parfait! Étienne, puisque tu sembles être très motivé, tu joueras le rôle de l'empereur. Ouais! Génial! Bon, et maintenant, qui souhaiterait avoir le rôle du frère de l'empereur? Moi, maîtresse, le rôle du frère! C'est moi qui appuie dessus. Ce
oreillers. Moi d'abord. Quoi? Tu veux tout faire tout seul. Hé, hey, les copains, qui vote pour remplacer Étienne? Hein? Moi! Mais moi! Moi! Oh. Non! Vous n'avez pas le droit! Je vais le dire à la maîtresse! Ben, vas-y, va lui dire. Oh. C'est bon, on peut reprendre maintenant. Qu'est-ce qui leur prend? C'est horrible, ils m'ont piqué mon premier rôle. Salut Étienne. Hein? Ben t'es pas à la répète? Ils viennent de me virer. Tu te rends compte? Ils ont osé me faire ça à moi. Hein? Oh. Oh, qu'ils sont mignons, ces petits jumeaux. Mais t'es devenu moi. Oh. C'est bien moi qui arrive à faire d'autres moi. Moi. J'ai réussi. Chaque fois que je dis moi, je transforme les autres en moi. Je suis devenue super moi. Ouais, ouais. Suivez-moi. Non, suivez le guide. On retourne à la salle de spectacle. Attendez-moi là, vous autres. Chantons tous à la gloire d'empereur de la terre du milieu. Oh non, pas lui! Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait que t'as pas très bien compris. T'es plus dans le spectacle. C'est ce que tu crois, mais t'as tout faux parce que tu as devant toi le grand super roi! Étienne, qu'est-ce que t'as fait à Carmen? La même chose qu'à vous tous si vous continuez à m'embêter comme ça. Allez, on reprend la répète. Longue vie à moi, empereur de la terre du milieu. Longue vie à toi, mon... Arrête ça, hein? T'es trop nul, Bertrand. En fait, il faudrait mieux que je joue ton rôle. Faudrait alors que tu deviennes moi. Et voilà. Et tu tiens, arrête ça, ça va pas. Au contraire, ça va super bien. Pour la danse aussi, il faudrait que tu sois moi. Voilà, c'est parfait. On va enfin pouvoir répéter sérieusement ce spectacle. Et pourquoi c'est moi qui devrais faire la femme de l'empereur? C'est moi qui dois jouer l'empereur. Non, c'est moi. Si, je te dis que c'est moi. Non, c'est moi. Oh là là, là, c'est pas vrai, quelle pagaille. Non, c'est moi. Du calme maintenant, allez. Retournez tous à vos places. Je veux être l'empereur. Le premier rôle doit être pour moi. Non. Si. Pas question, toi tu fais le messager à cheval. Mais c'est pas vrai, vous pouvez pas vous contenter de jouer votre rôle. Non, moi je voudrais faire l'empereur. Reculez. L'empereur c'est moi. Moi. Non, c'est moi. Moi. Arrêtez, vous vous prenez pour le centre du monde ou quoi? Vous êtes comme moi. Oh non, c'est pas possible. Quel cauchemar. Vous êtes encore pire que moi. Oh. Oh.
chouette. Vous êtes redevenus normaux. Super. Vous êtes vraiment excellents. C'est cool. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je voulais juste regarder la répétition. Et au fait, Bertrand en empereur, c'est une super bonne idée. Longue vie à moi, empereur de la terre du milieu. Chantons tous à la gloire d'empereur de la terre du milieu, milieu. Je peux faire une remarque? Très franchement, si c'était moi... Ben non. En fait, je ne change rien du tout. Vous êtes tous parfaits, les copains. Si la seule chose que tu sais dire, c'est moi, 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 tu finiras par te retrouver tout seul, avec toi, toi et toi. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. On dirait une vieille tortue. Je préfère ressembler à une vieille tortue que de tomber. Oh, j'en ai trop marre de me casser la figure tout le temps. Au fait, tu viens à mon anniversaire? Évidemment, je viens bien sûr. Cool. Amène ton vélo, j'organise une course un peu spéciale. Quoi? Une course? Sans moi alors? Oh s'il te plaît, fais-la. T'es mon meilleur copain. C'est que... Nathan, ça va? Regardez, avec ça, je suis le roi du monde. Et moi, avec mon vélo, je vais vous en mettre plein la vue. Waouh, oh la classe. Hein? Désolé, Paco. Je pourrais pas faire la course de vélo, mais je voulais quand même venir à ton anniversaire. Oh là là, t'as pas de chance. Comment tu t'es fait ça? Ça te fait mal? Vous en faites pas pour moi, les gars. Ça va aller. Ça, tu nous as menti. C'est bon, c'est pas la peine d'en faire un plat, monsieur le casse-cou. J'en ai assez de me payer des gadins. Alors avec ta super idée de course spéciale... Et alors? Moi aussi je me paye des gadins. Et j'en fais pas une maladie pour autant. Quelle chochotte! C'est ça, c'est facile pour vous de juger. Vous savez pas ce que ça fait de trébucher tous les 2 mètres, de perdre l'équilibre au moins de coups de vent, de se faire mal tout le temps, de... Oh! Nathan, est-ce que ça va? Excuse, je t'avais pas vu. Incroyable! J'ai pas eu mal du tout. Regarde ta main. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Nathan...
super génial. Rien. Ça me fait rien du tout. Je suis devenue super cadeau. Il va voir Paco. Moi aussi je vais lui montrer quelque chose de spécial. Mais d'abord, je me la fais comment cette chute dans les escaliers? Chauffeur, tu m'as fait rater ma super chute. Qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié tes béquilles? C'est bon, sois pas fâché. Regarde ce que je sais faire. Je vais te montrer un nouveau truc super cool. Non, ça m'intéresse pas. Alors, on a oublié de m'inviter, on dirait. Hey, pas mal l'engin. Il lui manque juste un peu de style. Non, touche pas. C'est mon anniversaire et c'est mon sidecar. Écoute, Minus, je te propose un truc. Toi et moi, on fait une course et le gagnant remporte le sidecar. Alors là, t'as perdu d'avance, gros loup. Je monte avec toi. Non, Isabelle, c'est trop dangereux. Qui veut être mon copilote? Jimmy? Yvon? Moi! Pas question, je veux pas d'un trouillard comme toi. De toute façon, t'as pas le choix. T'as personne d'autre pour le faire. À vos marques, prêts, partez! Attends. T'inquiète, j'ai rien mon pote, je suis super gagnant. Allez, vas-y, démarre. Faut pas perdre de temps. Vas-y, pédale. Les gars, foncez, ouais. Faut le rattraper. Et surtout, tu ralentis pas dans le virage. Reste toujours à fond la caisse. Fais ce que je te dis et on y arrivera. Jamais! T'inquiète pas, on va prendre un petit raccourci! Ça va pas? Qu'est-ce que tu fabriques? Ben alors, je croyais que t'avais pas peur des vols planés! Paco, ça va? Ouais, super! On a gagné grâce à toi. Nathan, t'es le plus grand des casse-coups. Hourra! Victoire! Pour les deux casse-coups du siècle! Hip hip hip! Hourra! Ça va, vous avez fait une jolie course. D'accord, tu mérites de garder ton sidecar, mais à une condition. Tu me donnes une part de gâteau. Ouais! La course a creusé. Tous au goûter. Même pas mal. Je suis le roi du roulé-boulet. Enfin, presque. Si tu passes ta vie à tomber par terre et que de gadin en gadin tu te désespères, pour enfin arrêter de te casser le nez, il faut vite que tu apprennes à faire le roulé-boulet. Lucien, c'est
pas ton panier qui sonne là? Ça te regarde pas? Espèce de curieuse! Je te parie que c'est son goûter. Il n'y a qu'un goulu comme Lucien pour être capable de mettre une clochette pour garder son goûter. Ah. Ah. Hein? Regardez, c'est Lucien! Arrête tes histoires, Rémi! Tu ne me feras pas croire que Lucien a pu manger tout ça tout seul! Voilà! T'es pas sympa d'avoir fait ça, Lucien! Espèce de goinfre! Je suis désolée, c'est pas de ma faute! J'avais trop faim! Oui, bah arrange-toi pour qu'elle nous retire notre zéro! Parce que sinon, nous, on va te faire manger tes baskets! Oh non! Mon super goûter! Un volet! Mon goûter, un volet! Ah! Aïe! Ouvrez! Ouvrez ou j'appelle la maîtresse! Vas-y, appelle-la! Et arrange-toi pour qu'elle nous enlève le zéro! Sinon, on mange ton goûter! Mais je lui ai déjà dit que c'était moi et elle a pas voulu me croire! Débrouille-toi quand même! Sinon... Oh, le beau millefeuille! Oh, ça a l'air bon! Miam, miam, miam! Mon goûter! Je vous déteste tous les deux! C'est pas grave, Lucien, c'est juste un goûter. Oh non, on est coincé! Jimmy, faut faire quelque chose! Je ne supporte pas d'être enfermé! Tu comprends pas, Nico, ça va pas du tout! Et quand j'ai pas le moral, il faut vite que je mange quelque chose. Ah non, je te connais, hein, tu vas pas commencer. Me fais pas le coup d'avoir un malaise pour pouvoir manger tous mes biscuits quand même. Ah ! C'était juste pour te faire peur. Arrête! C'est super bon! Qui veut y goûter? Lulu, on savait que c'était un goinfre, mais là, ça devient grave. Mais non, c'est pas grave! Je suis super goulu! Je peux tout changer en bonbons et en gâteau. Ah. Ouah! De la meringue! Yam! Waouh, super, de la gaufre au sucre. Ah, ah. Je viens d'avoir une idée. Pour annuler le zéro, je sais ce qu'il faut que je fasse. Au secours, faites-moi sortir d'ici. J'ai tout là-dedans. Mais tu vas t'arrêter, oui. Carmen, Jimmy, vous êtes encore là? Je vous cherche partout. Bien sûr qu'on est encore là, idiot, tu nous as enfermés. Fais nous sortir. Est-ce que vous avez toujours mon goûter? On t'en offrira un autre si tu nous fais sortir d'ici. Deux autres. Trois autres. Qui veut du chocolat?
Pour moi. Merci, Lucien. Pour l'atelier pâtisserie, je sais comment rattraper le coup. Eh bien, que faites-vous là? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre gâteau. On vous laisse rattraper pour l'atelier. Allez-y, goûtez-le. Il est délicieux. Mmh. Ah. Du nougat. Oui, c'est si qu'une lampe. Étonnant. Original. Exquis. Eh bien. Votre travail mérite un 10 sur 10 pour tout le groupe. Maîtresse, non. Je veux dire, la gourmandise est un vilain défaut. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Si t'es vraiment un gourmand et que tu veux te limiter, au lieu de prendre un croissant, prends-en plutôt deux moitiés. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et le mini-justicier. Je peux faire le match avec vous? Je suis tout le temps remplaçant depuis le début du tournoi. Oh non! Berk! Je suis désolé, je suis tellement content que je transpire un peu. T'es qu'une serpillière dégoulinante! Une vraie fontaine de sueur! T'es sur le banc des remplaçants et tu vas y rester, c'est compris? Gérard, tu n'as pas encore joué. Va remplacer Enrico. Hein? Hein? Quoi? C'est pas moi les gars, c'est la maîtresse qui a décidé. Alors c'est ça votre équipe de volets? Un nain de jardin et un arrosoir? Yvon, puisque la maîtresse veut que Gérard joue avec nous, faudra que tu sois remplaçant. Si on veut gagner, de toute façon t'es bien trop petit, t'arriveras jamais à toucher le filet. Si j'arrive, regarde. La prochaine fois, Gérard, tu ferais mieux de venir avec ton maillot de bain. Allez, vas-y, Gégé, les écoute pas et mets-leur un smash de ma part. Il y a un carton pour vous, ce sont les... C'est une surprise, j'arrive tout de suite. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? On va les mettre en charpie. Il faut viser leurs points faibles, tous les ballons sur Gérard. Je l'ai. Ah, 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 ah.
Changement de joueur, Gérard est remplacé par Yvon. Alors Gérard, c'est la douche froide. C'est horrible, je transpire comme je respire. Je ne suis qu'un robinet ambulant. Ça alors? Ouais! J'ai le pouvoir de maîtriser l'eau! Je suis devenu Super la sueur! Hé! Hey, t'as oublié d'enlever ton bonnet de bain ou quoi? Wow! Gérard, il a sueur grave! Des dents, Lotari, tu sais quoi? Tu devrais retourner dans ton zoo! Du calme, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit que je m'éloigne un moment pour que tout d'un coup je sois n'importe. Oh non! Le feu d'artifice pour fêter la fin du tournoi. Waouh! Comment t'as fait ça, Gérard? T'es trop fort! Je te félicite, Gérard! Tu nous as sauvés! Vous savez, c'est rien. Juste un peu de sueur, ce n'était pas difficile. Mais en attendant, la partie de volet, elle est à l'eau! Ouais, et c'est à cause de vous, tout ça! Vous avez triché! Vous êtes que des gros tricheurs! J'ai une idée! Et si on finissait cette partie en faisant du water volet? Du water volet, tu dis? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Alors Gérard, tu entres sur le terrain et Yvon, bah tu vas sortir, ok? Ben, pourquoi Yvon? Moi je le veux dans mon équipe. D'accord Yvon, c'est moi qui sors. Prends ma place. Hey! Vas-y Gégé, montre-leur ce que tu sais faire. Waouh! Wow. Génial le water volley. Ah, 19 partout. Balle de match. Gérard, tout ça c'est grâce à toi. T'as sauvé le match. On a eu chaud aux fesses les copains. Merci à toi aussi Yvon. Ben moi aussi j'ai eu chaud aux fesses, et pour de vrai. Ça creuse le sport. Ouais, et ça fait aussi transpirer un max. C'est pas vrai les gars, hein? Quelle horreur. Si tu transpires sous les bras, n'en fais pas tout un plat, sue comme il te plaira et mets deux éponges comme ça.